Alors le plat national du Sénégal s'appelle le tieboudienne, ce qui signifie riz au poisson, mais aujourd'hui on a préféré faire un plat plus traditionnel, c'est-à-dire un couscous sérère, un couscous sénégalais. Ça me rappelle le Sénégal, c'est exactement le même goût. Du coup, je voulais vraiment revenir sur un peu sur la question principale qu'on posait toujours à mon frère, c'est tout simplement pourquoi il est parti au Sénégal vivre un an comme ça, un peu limite sur un coup de tête. Bah attends, déjà je vais finir ma bouchée. En plus, je viens de manger un de ces bouts de piment, ça m'a arraché la gueule. En gros, c'était le pire moment de tout le plat pour me poser la question. Les deux gros piments, puis je les ai mis dans un assiette. Que heureusement qu'on n'a pas fait un live. Bah ouais, on m'a souvent demandé pourquoi je suis allé au Sénégal en fait, comment ça s'est fait, parce qu'à la base je suis technico-commercial. Et en fait, mon dernier emploi, ça... Je sais pas, j'étais pas épanoui. Donc du jour au lendemain, j'ai tout quitté. Et là, je me disais, je commençais à m'intéresser aux plantes en fait. Et là, je contacte mon grand frère et je lui dis, tu connais pas un projet de régénération de la nature, je viens de quitter mon travail. Et au même moment, le directeur d'un projet de régénération de la nature qui est au Sénégal cherchait quelqu'un pour développer le commerce. Donc c'était un sacré hasard parce que ça s'est fait la même semaine. Donc là, je connaissais même pas le pays ni rien. J'ai pris un ticket d'avion, je suis allé au Sénégal, j'ai passé 2 semaines. Franchement, je vous dis honnêtement, je savais même pas le situer sur une carte. Hein. Ma géographie de l'Afrique était nulle. Et du coup, ouais, je suis arrivé là-bas, c'était vraiment pleine découverte. Je suis retourné quelques mois après. Donc au mois de septembre, je suis retourné au Sénégal et j'ai passé un an là-bas à travailler en fait dans ce projet. Ouais, le Sénégal, c'est le pays de la teranga, de l'hospitalité en Wolof. Après, c'est vrai que selon les ethnies, il y a des codes culturels pour manifester cette hospitalité qui sont très différents des nôtres. C'est vrai que par exemple, bah, chez les Sérères, c'est l'ethnie qu'on connaît le plus. Quand tu accueilles quelqu'un et que tu veux vraiment lui montrer que tu l'accueilles comme un roi, en fait, tu lui sers à manger, mais tu l'isoles en fait. C'est-à-dire que bah, toi tu vas manger avec ta famille et en fait ton invité, bah, tu vas lui faire un plat et tu vas le mettre dans une pièce à part. Et du coup bah, parfois tu te retrouves chez des gens et puis ils mangent ensemble et toi t'es dans la chambre d'à côté, t'es tout seul à manger comme ça. Et en fait, c'est une marque de respect, d'honneur. Mais c'est totalement différent. Ouais. Quoi, mais... En fait, il me semble quand t'arrives chez les gens, d'abord ils te servent un verre d'eau à chaque fois. Et en fait, selon comment tu bois le verre d'eau, ben ils vont savoir si t'as faim ou pas, tu vois. Si tu le bois d'une traite ou si tu le bois tout doucement. Et donc selon ça, ils vont te servir à manger. Mais en fait, ils viennent, ils te filent leur plat. Et toi, tu manges en fait ce que tu veux. Et après, en fait, quand tu leur rends, ben eux, ils vont manger en fait ce qui reste, tu vois. Donc après, la politesse, bah voilà, c'est de pas tout dégommer, quoi, tu vois. Traditionnellement, on mange à la main droite, parce que la main gauche, bah voilà, est utilisée pour les besoins, en gros. Ouais, pour aller aux toilettes. On a on avait saisi. Et d'ailleurs, la main droite, ils appellent ça du coup la cuillère de Dieu. Là, personnellement, ouais, je mangeais avec la main droite, mais j'aimais beaucoup. Hein. Moi, je trouve que c'est... ça donne une certaine sensation, quoi. Tu mets ta main comme ça dans un gros bol de nourriture, c'est... Ça, moi j'aime bien. Après, voilà, il y a des gens, ils aiment pas trop. Bah, moi, personnellement, ça me dérangeait pas trop. Après, quand je me retrouvais chez des gens et qu'on mangeait à la main, bah vu que j'avais pas l'habitude, tu vois, déjà je me sentais un peu maladroit, je m'en mettais un peu partout. Et en plus de ça, ben je mangeais hyper lentement, quoi, parce que le temps de prendre le truc, faire la boule et mettre dans la bouche en fait, et tout. Du coup, comment tu fais, genre c'est du mil comme ça et tout, je sais pas, tu fais comment? Ouais, c'est ça, c'est que t'as d'autres peuples qui mangent avec les mains, par exemple là même en France, t'as beaucoup les gars des îles et tout qui mangent avec les doigts. Et donc en fait, ils mettent les doigts comme ça, ils utilisent le pouce et ils forment une cuillère. Mais au Sénégal, quand on dit manger avec la main, c'est pas juste avec les doigts, c'est vraiment avec la paume entière. Donc ils mettent la main dans le plat. Et en fait, d'abord, ils malaxent dans un premier temps. Et ils forment des boules dans leur paume. Et en fait, ils les mangent. En arrivant au Sénégal, il y avait un truc qui m'a aussi sacrément fait bader. En fait, je vous avais raconté un peu. C'était. Tu vois, il y a des champs, en fait, avec les légumes qui poussent. Et à chaque fois, il y a des singes qui viennent et qui vont voler les légumes, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est un véritable fléau là-bas parce que ils gâtent tous les champs. C'est-à-dire qu'il y a des singes qui viennent, ils peuvent prendre un champ d'oignons qui est super long. Par exemple, le singe il vient, il déterre un oignon.
il le croque, il goûte, ça lui pique la bouche, tu vois, il aime pas, il le jette par terre. Donc il le mange même pas, il te le balance, tu vois, mmh. Le truc est gâté. Mais en fait, il va quand même prendre le deuxième pour tester, pour voir si celui-là il est pas bon, et ainsi de suite. Et il est capable de déraciner tout un champ d'oignons. Et donc les gens, ils en avaient marre, parce que là-bas, carrément, il doit faire des rondes. C'est-à-dire que toute la journée, du lever de soleil jusqu'à la tombée de la nuit, il y a des mecs qui doivent être postés avec des lance-pierres. Et à chaque fois qu'il y a des singes qui se pointent, il leur balance des cailloux à la gueule, tu vois. Il y a un singe, ils ont réussi à le choper. Donc le singe, en fait, ça s'est passé comme ça. Il était dans un arbre, il y avait un autre arbre, mais il était un peu trop loin pour que le singe saute direct dans l'autre arbre. Et là, il y avait genre trois chiens, il y avait des bergers, etc. Et le singe, il était dans l'arbre. En fait, tous les chiens, ils l'aboyaient à mort, les mecs, ils lui balançaient des cailloux dessus, etc. Et là, d'un coup, le singe, il saute. Donc, dès que le singe, il saute, en fait, c'est qu'il a fait un choix. C'est soit, en fait, il va se laisser mourir parce qu'il sait que c'est dead, ou soit, en fait, il a décidé qu'il allait défoncer, tu vois. Ouais. Et donc là, en fait, le singe, il voulait tous se défoncer, tu vois. Donc il a sauté comme ça, ouais. Il a sauté sur un chien, il l'a attrapé au cou, il l'a mordu comme un fou. Il a chopé le deuxième chien, il a réussi à le mordre aussi. Mais après, il s'est fait éclater, quoi. Ils l'ont dépecé. Après, ils ont pris sa peau, ils l'ont accroché en croix à un arbre. Et en fait, il y a le singe qui pendait par la peau, comme ça. Mmh. J'ai eu plusieurs animaux là-bas, au final, tu vois. Mmh. Donc je suis tout seul, hein. Et je suis dans un endroit comme ça, et d'un coup, j'entends un peu du bruit. Et il y avait, je sais pas, un bout de tôle, un truc comme ça. Regardez, il y a deux bébés chiots. Ils ont l'air affamés, les pauvres. Regarde ça, comme ils étaient assoiffés. Ils sont tout mignons. Qui les a abandonnés comme ça, sérieux? Je leur ai donné un peu d'eau. Ils avaient l'air tellement assoiffés. Regarde ça, comme ils sont maigres. Aïe, 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 aïe. J'avais de l'eau sur moi, tu vois, j'ai pris un petit truc là qui traînait pour leur mettre de l'eau et tout, pour qu'ils puissent boire. Ils étaient assoiffés. Et donc là, franchement, ça m'a trop fait mal au cœur, tu vois. J'ai pris les deux, je les ai ramenés, tu vois, avec moi. Et après, c'était mes deux petits chiots, tu vois. Les nourrit, on leur donne à boire tous les jours, on joue avec. Et puis voilà, et c'est déjà des gros bébés maintenant, hein. Juste en quelques semaines, ils sont vraiment déjà en train de bien grandir, quoi. En tout cas, ils sont tellement mignons, et puis ce sera les gardiens du jardin, là. Ce que j'ai vu aussi au Sénégal par rapport aux oiseaux, c'est qu'il y en a beaucoup qui capturent des oiseaux, ouais. Pour tout simplement, en fait, vendre leur libération. Parce qu'en fait, là-bas au Sénégal, c'est un pays qui est majoritairement musulman, ouais. Mais avec un islam soufi. Et en fait, là-bas, il y a un proverbe qui est très connu qui dit que, en gros, tu gagnes des bons points, ouais, ouais. D'un point de vue religieux, hein, si tu libères un oiseau. Et donc, okay. Y a des gens, en fait, qui en ont fait un business, en fait. Ouais, donc, mais... voilà, ils capturent des oiseaux. Et en fait, il y a des marchands d'oiseaux ambulants qui vendent, en fait, la libération de l'oiseau, quoi. Franchement, ouais, c'est pas le même rapport, tu vois. Là, par exemple, je voyais dans... Enfin, il y a tellement de trucs à raconter à ce sujet. Il y a des types, tu vois, ils me prennent en stop en fait sur une petite charrette conduite par un âne. Et l'âne, il était fatigué, tu vois. Et genre, franchement, tous les 100 mètres, il devait s'arrêter. Et les petits, ils étaient en train de fumer du crâne, quoi. Et là, tu vois, il y a des ânes qui sont en train de divaguer. Parce que là-bas, tu vois, t'as des animaux qui divaguent en fait, tu vois, t'as pas de propriété privée. Il allait, il a chopé un âne, tu vois. Je sais même pas qui c'était, tu vois. Il a chopé un âne, il est venu, il a accroché à sa charrette, donc il a rajouté un âne sur le côté. Après, là, laisse tomber, ça t'a rodé de fou, tu vois. Après, j'ai l'impression que j'étais dans une fusée, tu vois. Petit changement d'âne. Là-bas, tu vois, des fois, il y a des gars, ils mangeaient des sacrés trucs aussi, tu vois. Genre, tu vois, ils viennent, ils trouvent un python, genre un python de je sais pas combien de mètres, tu vois, un truc genre énorme, tu vois. Ils le trouvent. Et tu vois, ils le prenaient en photo, genre, ils l'enroulaient autour du cou, des trucs comme ça. Et genre, le lendemain, je me dis, mais il est passé où le python, les gars, tu vois. Moi, je voulais le prendre en photo, tu vois. Je dis, il est où le python? Et personne voulait trop me répondre, tu vois. Et en fin de compte, en fait, il l'avait bouffé, tu vois. Et pareil, tu vois, mais ça rejoint le jour où
où tu marches et tout, et t'as les gars, ils viennent. Ils te disent « Vas-y, on va faire un truc d'homme, donc il n'y a que toi qui peux venir, etc. » Ah ouais, ce jour-là. Bon, en fait, ça, c'est vraiment... Bon, ça, c'est une histoire, c'est ça, bien, là. Ça va en choquer certains. Mais en fait, une fois, comme dit, j'étais en train de marcher, je croise des gars qui allaient faire un truc, il y avait une fille qui voulait aller avec, et les gars, ils disaient « Non, tu peux pas venir avec nous, t'es une fille, ce qu'on va faire, c'est un truc d'homme, tu vois. » Et moi, je suis en train de passer à côté et j'entends ça. Donc forcément, ça m'interpelle. Et je leur dis, ah les gars, vous allez faire quoi? Ils m'ont dit, toi, t'es un homme, viens avec nous et tout. Mmh. Ok, tu vois, je suis allé. Et il y avait un gars, il avait un sac, tu vois, les sacs de riz là, les gros sacs de riz sur le dos là. Et on arrive là-bas et il commence à faire un feu, tu vois. Et là, il vient, il ouvre le sac, mais ça puait la mort, un truc de dingue. Il y avait des mouches, mais j'ai jamais vu ça, tu vois. Ouais. Et là, il ouvre le sac, il y avait deux cadavres de chats dedans. Deux chats comme ça, ils étaient accrochés par le cou, ils étaient accrochés ensemble, tu vois, ils étaient morts. Et après, je leur dis, oh les gars, c'est quoi ça? Ils me disent, on va les cuisiner, tu vois, on va les manger. Et du coup, ils ont fait un feu, ils ont même pas enlevé la peau ni rien, tu vois. Ils ont juste balancé les chats dans le feu comme ça, ils ont fait cuire. Le soir, je les voyais avec leurs marmites comme ça, mais bon, c'était pas des Sénégalais. Les Sénégalais, ils voulaient pas manger ça ni rien, ça c'était des gars genre... Après ça c'était vraiment un aspect un peu rituel de vengeance. Genre ouais. c'est pas culinaire quoi, c'est plus dans l'aspect... Je sais plus ce qu'avaient fait les chats. En fait c'était les deux, parce qu'en fait il y avait plusieurs gars qui s'étaient mis ensemble. Et ils s'étaient mis d'accord, tu vois, pour aller tuer les chats et pour les bouffer. Il y en a certains, ils voulaient juste les tuer, d'autres ils voulaient juste les bouffer. Il y en avait, c'était les deux, tu vois. Et en fait... il y a un chat qui passe d'ailleurs là. Et en fait, ce que... ce qu'on vous a pas dit. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gars, ils avaient un poulailler. Et le mec, et le gars, en fait, il s'est fait bouffer des poules. Ouais, ouais. Il a accusé le chat, il a dit c'est la faute du chat, c'est le chat qui est venu me niquer des poules, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait, il mange son ennemi. Quoi. Ouais, et du coup, il a dit vu que le chat a mangé mes poules, moi je vais manger le chat. Des fois, tu vois des gens, ils parlent. Tu vois, par exemple, ils sont dans une ethnie, ils parlent sérère parce que leur père est sérère, ils vont parler, diola parce que leur mère est diola, ils vont parler wolof parce que c'est la langue sénégalaise la plus parlée, ils vont parler encore français, ils vont te parler encore un peu anglais, ça se trouve, ils ont quelques notions en peul, enfin, tu vois, c'est un truc de fou, t'as des mecs qui parlent 6 ou 7 langues, c'est normal. Les Sénégalais, entre eux, là-bas, se reconnaissent de par leurs ethnies, donc ils disent, bah voilà, moi je suis sérère, toi t'es diola, moi je suis balante, toi t'es bassari, enfin, ils font des différences ethniques qui n'existe tout simplement pas en France, quoi, ou dont on ne parle pas. Après, les langues officielles, ça va être le français, ou bien... Je voulais tuer, là. C'était quoi cette scène, mec? Tu me balances un oreille dans la gueule. Après, voilà, les langues officielles, là-bas, c'est le français, mais tout la colonie. Mais et ouais, tout le monde ne parle pas français, en plus. Pas français, hein, en tout cas, dans la brousse, c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens qui parlaient que sérère, par exemple. Moi, je croyais qu'ils parlaient tous wolof. Moi, j'ai appris un peu le wolof. François, il apprenait le sérère, et je pensais que ça allait me servir pour parler dans tout le pays, quoi, avec tout le monde. En fait, pas du tout, hein. Je suis arrivé dans des endroits, surtout dans le sud du Sénégal. Il y avait des mecs d'ethnie genre Bassari, Bédik, c'est même pas 1% de la population. Les mecs, ils parlaient pas wolof, ils parlaient pas français, ils parlaient pas anglais. Ouais, mais c'est comme des pays dans le pays, on peut dire, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ce qui est intéressant pour le Sénégal, c'est que les frontières modernes du pays, puisque quand même le Sénégal n'existe de manière indépendante que depuis 1960, c'est super récent. Mais après, c'est pas un pays qui a été... on va dire défini trop à l'arrache comme d'autres pays d'Afrique de l'Est, ça a créé des... Ouais, c'est ça. En fait, il y a quand même une sorte de cohérence. Toutes les ethnies sénégalaises ou sénégambiennes, en fait, elles existaient déjà. Il y avait déjà un certain vivre ensemble, même avant la colonie. D'accord, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à chaque fois, ils se taquinent entre ethnies, du coup, tu vois. Ouais, c'est ça. Ce qui était très intéressant pour nous d'avoir été parmi les sérères, c'est que, si tu veux, dans le Sénégal, va y avoir plusieurs ethnies. Mais toutes ces ethnies-là, en fait, tu peux les... Ce qui était intéressant pour nous au Sénégal, c'est qu'on était parmi les sérères. Et en fait... J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette phrase. Non, mais parce que j'ai bafouillé. On était parmi les sérères. Et en fait, les sérères, c'est une ethnie qui est un peu au croisement de toutes les relations... ethnique du Sénégal. Oui. Et en fait, les sérères, ils ont des liens de parenté avec tous les groupes. Donc, ils ont des liens de parenté avec les groupes sud-guinéens, avec les groupes wolof, les bou. Et tu parlais de
de l'importance de la taquinade entre différentes familles ou différentes ethnies. Ouais, ouais, là-bas, t'arrives, tu vois. C'est limite c'est rituel, enfin. Bah, c'est ça, t'arrives par exemple, je sais pas, par exemple, t'es sérère, t'arrives dans une famille. Par exemple, il y a un dieu là qui vient chez toi. Bah, tu vas dire des blagues du genre. Attention avec le plat parce que il y a un dieu là assis au bol là, il va tout manger, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, c'est comme ça, ça se taquine, tu vois, entre eux. Bah, les dieux là, ils mangent beaucoup, hein. Et t'as des sortes de règles tacites. C'est ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie. Ouais, voilà. Et en fait, c'est véritablement une institution sociale. C'est-à-dire que, d'un point de vue social, va y avoir certaines hiérarchies qui vont être mises en œuvre. Par exemple, quelqu'un qui a une autorité, moi je ne sais pas, un maire ou un préfet. Et donc, il va avoir une certaine reconnaissance sociale par rapport à toi. Mais en fait, si vous êtes parent à plaisanterie, ben, ça va vous donner... En fait, à travers la taquinade, un pied d'égalité, à travers l'humour, qui va te permettre en fait de dire des choses qui, dans un autre contexte plus formel, pourraient paraître, je sais pas moi, insolentes ou déplacées, malpolies. Donc en fait, c'est vraiment une manière de créer des réseaux de relations pour résoudre les problèmes. Et de substituer en fait le conflit à la taquinade, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. On nous a attribué un nom, Serrère, et si tu veux, à quelques égards, ça nous a donné un peu une sorte de... Je sais pas comment dire, d'identité qui nous a fait rentrer dans ces réseaux de relations, de taquinades et aussi de privilèges par rapport à certains. Ouais, la fameuse assimilation par le prénom. Ouais, ouais. Mais là-bas, les... Ouais, c'est ça, c'est mais là-bas, les homonymes, c'est hyper c'était important. Quoi, c'était quoi? Ouais. Enfin, bah, vas-y, nommez-vous. Bah, moi, j'avais deux noms, tu vois. Le premier qu'on m'avait donné, c'était Gaïnako. Et le deuxième, c'était Ndjumadieng. Du coup, c'était un mec qui t'avait nommé selon son nom. C'est ça, en fait, il y a un gars qui m'a vu, mais en plus, il me connaissait pas, tu vois. C'est un gars, c'est la première fois de ma vie, je le voyais, tu vois. Et j'étais avec un autre type, et je venais d'arriver au Sénégal. Et il vient, il dit à l'autre, ouais, il faut qu'on trouve un nom sénégalais, là, pour le gars. Il faut qu'on lui trouve un nom sénégalais. Et le gars, en fait, il s'appelle Ndjumadieng. Et du coup, il me dit, bah, tu t'appelleras Ndjumadieng. Après, j'ai dit, bah, ok. Après, il me dit, maintenant, t'es mon frère et tout. Et après, le gars, il me prenait sous son aile après, tu vois. Ouais, ouais. Parce que j'avais même prénom que lui. Ouais, en fait, c'est trop marrant parce que moi, je le connaissais même pas à la base, tu vois. Ouais, c'est vrai, il y a vraiment cette culture des homonymes. Quand je suis allé à Touba. Attends, tu t'appelais comment? Parmi les serrères, je m'appelais Gaïki, ouais. Sar. Ouais. Et ça veut dire le berger en fait, comme quand on dit Gaïnak. C'est d'accord, même, ok, ouais. C'est pour ça qu'on m'avait appelé Gaïnako, parce que en fait, quand je suis arrivé au Sénégal, la première fois pendant deux semaines, bah moi tu vois, je connaissais rien, mais après je suis arrivé dans des endroits où François était déjà passé avant moi, et du coup il y avait des gars, ils se rappelaient de lui, et ils ont vu ma tête, ils ont reconnu direct. Genre là-bas, c'est super important les salutations, et tu passes vraiment des. Ça peut durer une journée, hein. En fait, d'ailleurs, ça me faisait trop marrer parce que toutes les minutes, il y a quelqu'un qui t'arrête, il te prend par la main comme ça, il te serre la main, mais en fait, il te la lâche pas, tu vois. Après, il commence à te dire, bah, comment va ta famille et ton travail. En parlant de main, c'est au Sénégal, non, que t'as des gars, parfois, ils te prennent la main, genre pour marcher. Ils marchent avec toi, ils te prennent la main, mais normal. Ouais, genre aussi, c'est... ouais, c'est vrai que... C'est vrai qu'une fois je me baladais dans la brousse avec un ami serrère et puis il me prend la main. Mais pas genre il me chope la main, vraiment, tu vois, il me prend la main. Au début je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait là-bas c'est une marque d'amitié, en fait. Moi ça m'était déjà arrivé, tu vois, quand j'ai vécu en Corée là pendant quelques mois, j'avais des amis du Yémen et à chaque fois ils me prenaient comme ça par le poignet. Mais ça me mettait grave mal à l'aise, tu vois. Donc tu vois, là où j'y vais au Sénégal, en fait, c'était la vie en communauté. On était dans des chambres, donc des chambres plus petites que des chambres qu'on peut avoir en France tout seul. Sauf qu'on était déjà à 4. Et à chaque fois, tu vois, qu'il y avait d'autres gens, on devait encore les accueillir. Des fois, il y avait même des mecs, on savait pas qui c'était, ils étaient dans la chambre. Et du coup, ça fait que des fois, on était plus de 6 dans une petite chambre, tu vois, avec 4 lits et tout. Donc c'était un peu chaud. Et en fait, moi, franchement, j'en pouvais plus, tu vois. Pendant la nuit, j'arrivais pas à dormir. Tellement je transpirais, etc. Et donc, j'ai décidé d'aller dormir dehors. Et tous les soirs, je dormais dehors, à même le sol. Je mettais juste une sorte de petite natte par terre, tu vois. Et je dormais comme ça. Et en fait, c'était une expérience super intéressante. Parce que tous les soirs, j'entendais les chacals qui criaient comme ça pendant la nuit. Ils hurlaient à mort comme ça de tous les côtés. Ouais, c'était un truc de fou, franchement. Et t'as des chacals plein la brousse. J'essayais de les prendre en photo, de les filmer et tout. Mais franchement, c'était chaud, tu vois. Des fois, j'essayais de les traquer. C'est que le soir qu'ils sortent.
Des fois, j'allais me cacher, je regardais, je trouvais des crottes de canidés, etc. Je suivais des pistes. Des fois, je les apercevais de loin, etc. Mais c'était un peu chaud. Et une fois, tu vois, j'étais avec un petit chieux et j'étais en train de me balader. Et là, d'un coup, tu vois, j'étais avec ma moto et j'avais trop d'affaires. Et donc, le chieux, je le faisais me suivre. Et moi, je roulais tout doucement. Il me suivait. Mm-hmm. Et d'un coup, je me retourne et je vois un chacal qui arrive en bombe. Et tu vois, il voulait aller croquer mon chiot, en fait, tu vois. Et du coup, je me suis arrêté, j'ai chopé le chiot comme ça. Et le chacal, il a dégagé. Mais franchement, un truc de malade, j'étais... Ouais, c'est comme, tu vois, c'est comme un renard, tu vois. Ouais. C'est un truc de fou. Hein. Evelyne. Evelyne, Evelyne, je te dis, je veux pas que tu viennes sur le même coup, il savait tout là. Alors là, on va voir la salle de bain. Donc voilà, c'est quelques briques comme ça. Puis on a un seau pour pouvoir se laver. Là voilà, c'est la porte. Bi muy def la Ça fait vraiment partie prenante du paysage sénégalais en fait, cet islam soufi. Cet islam qui d'ailleurs a été beaucoup démocratisé en fait au 18e, 19e. Mais après justement le passage de la colonie française. Parce que de base, quand l'islam est arrivé, la plupart des ethnies sénégalaises ont rejeté l'islam. Il y a même eu des migrations vers le sud du pays pour fuir l'islam qui venait des arabes berbères du nord, donc du Maghreb notamment. Et plus tard, l'islam qui auparavant était en fait l'image d'une doctrine conquérante est devenu une figure de résistance contre les Occidentaux. Autrement dit, la colonisation des Européens a transformé la figure de l'islam qui est devenue en fait une figure de résistance, et notamment à travers le développement de certains islams totalement panafricains. Si tu veux, au Sénégal, t'as plein de confréries soufis, mais t'en as aussi qui sont vraiment nés au Sénégal. D'accord, c'est le cas des Layennes ou bien des Mourides, dont le cheikh principal était un Sénégalais et qui s'est défini lui-même comme l'homme noir qui résiste à travers l'islam contre le conquérant français, enfin Toubab en l'occurrence. Ces questions autour des enfants talibés, toi t'en penses quoi, vu que t'as vraiment pu voir ou peut-être plus étudier la question que d'autres? En allant au Sénégal, un truc qui étonne beaucoup, c'est tous ces enfants qui sont là à mendier. Ouais. Et notamment parce qu'ils ne mendient pas pour eux-mêmes. En fait, ils ramènent l'argent ou la nourriture qui leur est donnée à leur cheikh, à leur maître coranique. Et alors, autant il y a vraiment des vrais maîtres coraniques qui vont prendre soin des enfants, qui vont veiller à leur éducation. Et autant après, il y a aussi des gars qui exploitent ça, en fait, qui vont vraiment utiliser les enfants comme... on peut dire comme un... Comme des esclaves. Voilà, c'est ça, c'est un peu de l'esclavage, enfin pas... C'est un peu une sorte de traite humaine, c'est-à-dire qu'ils envoient les enfants mendier pour eux et en fait ils vont les utiliser, les exploiter quoi, réellement. Avec tous les sévices, tous les à côté qu'on peut connaître. Hein. Il y a notamment l'exploitation même sexuelle parfois des enfants, donc des jeunes garçons qui vont être violés par leur chair lui-même. Donc il y a de plus en plus d'histoires aussi qui... Et avant d'être musulman, c'était un pays qui était plutôt animiste alors? En fait, c'était un pays dans lequel chaque ethnie, chaque groupe social, en fait, accomplissait ses rites. Et en fait, je disais accomplissait, mais je peux dire accompli, dans le sens où il y a encore beaucoup de personnes qui se revendiquent d'être... Là-bas, on dit tchédo. Tchédo, c'est-à-dire, en fait, qu'on pourrait traduire peut-être par animiste. C'est-à-dire que, voilà, il y a des personnes qui
peuvent se considérer comme catholiques ou musulmanes, mais qui vont aussi accomplir certains éléments de mélange comme ça, ouais. En fait, la vision populaire de cette opposition est totalement faussée. Souvent, les deux existent en parallèle. En Europe, c'était la même chose. En Europe, c'est toujours le cas. C'est la même chose. Bien sûr. Souvent, les deux coexistent, en fait. Ouais, et c'est pas du tout un cas particulier. Voilà. Après, il y a des trucs qui étaient vraiment marqués dans la culture, malgré que, tu vois, la plupart étaient musulmans. Je te donne un exemple, là. C'est que, par exemple, j'avais beaucoup de mal à filmer en ville, parce que c'était très mal vu, tu vois, de prendre ta caméra et d'aller filmer les gens. Parce qu'en fait, les gens ont des croyances, tu vois. Du coup, qui viennent pas de l'islam, tu vois. Et c'est des croyances qui disent que si, par exemple, tu les prends en photo, c'est comme si tu captures leur âme. Et tu vois, je te donne un exemple d'un gars aussi qui ouvrait des noix de coco. J'ai jamais vu un gars aussi habile de toute ma vie. Hein. C'était un truc de fou, sa dextérité, sa rapidité, tu vois. Et moi, j'allais souvent lui acheter des noix de coco, tu vois, quand j'étais en ville. Donc, on discutait bien. Et je lui dis, mais tiens, est-ce que je peux te filmer en train de l'ouvrir, tu vois, juste pour avoir un souvenir. Et le gars, il voulait pas. Et je lui dis, mais alors dans ce cas, juste les mains, tu vois, même pas le visage. Et il voulait pas. Par la suite, il m'a autorisé à le faire une fois et on a discuté. Il m'a vraiment expliqué pourquoi il était pas d'accord au début. Et en fait, il croyait non seulement que j'allais lui capturer son âme, mais aussi le vendre comme esclave en Mauritanie. Ouais. Et que j'allais en plus capturer son talent, quoi. Son talent de dextérité, que j'allais le capturer, quoi. Ouais, ouais. Et justement, avec la Mauritanie, etc., enfin, t'as ces tensions-là entre le Sénégal et... Oui, c'est ça, parce que souvent on parle du Sénégal par rapport au commerce triangulaire, notamment parce que tous les esclaves de couleur noire qui étaient amenés aux Amériques, en fait, ils passaient nécessairement par, géographiquement, quoi, par l'ouest de l'Afrique, donc par le Sénégal. Et d'ailleurs, quand on va sur l'île de Gorée, on voit en fait toutes les esclaveries. C'est ça. Avant même qu'il y ait l'exploitation d'esclaves par les Blancs, il y a eu et il y a jusqu'à aujourd'hui en fait l'exploitation des esclaves noirs par les Arabes, notamment en Mauritanie. Moi, j'ai pu rencontrer un gars qui avait fui de la Mauritanie pour des raisons de conviction religieuse, et il me disait que lui étant jeune, il avait à son service en tant qu'enfant, donc de couleur blanche, deux esclaves à son service de couleur noire. Okay. Ouais. Donc ça, c'est des choses qui existent jusqu'à aujourd'hui. Toutes les problématiques d'esclavage aussi, c'est à comprendre avec les problématiques de caste. C'est-à-dire que depuis les années 60, donc depuis l'établissement du Sénégal indépendant, tout le système de caste a été aboli. Après ça, ça reste la théorie. En fait, dans la pratique, il y a souvent des gens qui vont faire référence en fait à telle ou telle personne comme le fils du forgeron, le fils du sculpteur, le fils du griot. Sachant que là-bas, c'est pas des métiers. Quand on dit forgeron, quand on dit sculpteur, en fait, c'est une caste. Les griots, d'ailleurs, n'avaient pas le droit d'être enterrés comme les autres. C'est pour ça qu'on les mettait dans les baobabs. Il arrive parfois qu'il y ait des personnes qui soient considérées comme les serviteurs des autres ou comme des castes inférieures par rapport aux autres de par le passé, et un passé qui date de il y a moins d'un siècle, donc c'est encore très présent dans les consciences. Ah oui, il y a une anecdote pour parler de quelque chose de culture. C'est Ah ouais. Attends, tu lui caches. Quoi? Bah, à un moment t'étais un peu enfermé. Non, mais ça, j'en parle pas. En parlant de l'hospitalité, en parlant de la teranga, parle-nous de ton expérience. Une fois, tu nous as raconté que t'es arrivé. Non, mais ça, j'en parle pas. Pas ce qui s'est passé à la fin, mais dis ce qui s'est passé au début. Après, on dévisera à la fin. Vas-y. Mais pour conclure un peu, j'aimerais te demander. Qu'est-ce que tu as appris de cette année là au Sénégal? Bah déjà, c'était une année super intéressante parce que ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, tu vois, en termes de mode de vie, de confort, de consommation, de rapport aux gens, etc. Et j'ai vraiment appris, tu vois, à vivre plus simplement, à vraiment, je sais pas comment dire, sentir vraiment cette liberté, tu vois. Ça remet plein de choses en question quand tu vois cette simplicité qu'ont les gens. Pour moi, vivre au Sénégal pendant quelques mois, ça m'avait fait redécouvrir un peu le sentiment que t'as quand t'es enfant et que t'as envie de toucher à tout. Voilà, en allant au Sénégal, c'est là où j'ai conduit pour la première fois une charrette, où j'ai touché à de la boulangerie artisanale, faire de l'agriculture, des choses comme ça. En fait, moi, ça m'a permis un peu de me reconnecter. En fait, ça a réactivé une forme de curiosité en moi, je pourrais dire. Bon voilà, la vidéo, elle était pas trop structurée, ça partait un peu dans tous les sens. C'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire, là on pourrait en parler encore pendant des heures, on a plein d'anecdotes, plein de souvenirs dans la tête. En tout
tout cas, nous, ouais, on a vraiment pris du plaisir à vous partager tout ça en espérant que ça vous a plu. Djolodjeb Sénégal, du Kanjal, nous, na fop, jam fa jam.